Si tu fais pas ça, tu perdras toutes tes idées de vidéos. Je vais t'expliquer pourquoi il est indispensable de noter toutes les idées qui te passent par la tête pour écrire tes vidéos. Vous vous dites peut-être qu'il est impossible pour vous d'oublier vos idées, sous prétexte que vous avez une bonne mémoire. Avec ce raisonnement, vous pouvez être convaincu que vous oublierez vos idées à coup sûr. Vous ne pouvez pas les retenir, ce n'est pas possible. Pour vous donner un exemple, j'ai eu l'idée d'écrire cette vidéo pour vous apprendre à noter vos idées. Si je n'avais pas noté quelque part, cette vidéo n'existerait pas, et vous ne seriez pas ici à la regarder. Le fait d'avoir noté cette idée l'a rendue vivante, et a permis que vous ayez cliqué sur la vidéo, que vous ayez mis un like, et que vous vous soyez potentiellement abonné. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner, car cela soutiendrait la chaîne énormément. Nous avons vu l'importance de noter vos idées, mais voici un exemple similaire. Imaginez que vous soyez tranquillement en train de démouler un cake sur le trône. À l'instant même, vous vient une idée de vidéo. Au même moment, plouf, un petit bruit. Ça vous fait rire. Vous finissez votre affaire, vous avez bien rigolé, vous êtes fier de votre travail, et voilà que vous venez d'oublier votre idée. Car vous ne l'avez pas notée. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. 73% de ce que j'écris dans mes notes ne me sert strictement à rien. Par exemple, voici une note écrite récemment. Faire une vidéo dans laquelle je présente différents objectifs pour les comparer à l'objectif du nouvel iPhone 15 Pro Max. Et voici une autre note écrite il y a plusieurs mois. Pour un travail plus qualitatif, je vous conseille de faire pipi avant de commencer n'importe quel projet audiovisuel. Cela améliorera la qualité de vos vidéos. À présent, vous n'aurez plus d'excuses parce que...